Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Donc je sais qu'avant de travailler avec nous, tu rencontrais des problèmes de douleur dans ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer quel genre de problème tu rencontrais? Oui, c'est facile. L'accumulation des heures de travail au fauteuil en ayant des postures tordues comme la plupart des dentistes crée d'énormes contractures, en particulier dans les trapèzes. Il m'est même arrivé une fois, il y a très longtemps, de m'auto-anesthésier les trapèzes avec nos petites aiguilles aux seringues, tellement ça me faisait mal, j'avais des boules, des nœuds dans les trapèzes. Donc ça devenait de plus en plus intolérable, parce qu'avec l'accumulation du temps de travail au bout de 25-30 ans de fauteuil, ça finit par être très fatigant. Et je ne voulais pas finir avec le dos et la nuque complètement bloqués. Donc, nous avons amorcé un changement il y a déjà plusieurs mois dans ton travail, dans ta gestuelle et ta posture, notamment ta gestuelle. Est-ce que ce changement pour toi a été compliqué à mettre en œuvre? Comment tu l'as vécu? Alors, au début, oui, parce que ça nécessite une présence à tout ce que tu nous dis, qui est difficile au départ, parce qu'il faut avoir la conscience de chacun de ses gestes, de ses pieds, de son bassin, de son pouce, de ses épaules, de son sternum. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, parce qu'on n'est pas du tout dans notre culture à éduquer, à tenir compte de tous ces éléments physiologiques. Par contre, le simple fait de faire l'effort, au moins au début, parce qu'après ça devient naturel, ça permet de diminuer et de faire disparaître complètement toutes ces douleurs. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire que ça a changé pour toi, que ça a modifié? Pour faire une boutade, je dirais que je travaille plus longtemps avec moins de fatigue, mais surtout avec beaucoup, beaucoup plus de confort. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'en faire profiter les assistantes, c'est pour ça que vous êtes venues, pour corriger un petit peu les postures de toutes les personnes, parce que quand on passe des heures au fauteuil, et les assistantes passent autant d'heures au fauteuil que nous, et elles en souffrent aussi beaucoup, qui ménage sa monture va loin, et bien c'est exactement pareil, tant les assistantes que les praticiens, nous devons tous faire attention à notre posture pour être à l'aise et finir la journée en n'étant pas complètement raide, bloqué, douloureux, comme je sais que certains confrères sont. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci.